Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres. Ce matin, on reçoit la promotrice de Saloon et Nature. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ça va. Ça va bien? Ça va. Alors, vos cheveux, comment on appelle ça? Bon, ce sont des nattes simples. Voilà. Avec des petits docos enroulés derrière. C'est joli, hein, Léonide? Hyper joli. Voilà. Non, c'est vrai que ça peut ne pas avoir l'air cher. Mais ça met en valeur la femme plutôt que des mèches de 2 mètres. Vous voyez qu'elle est jolie, non? Elle est jolie avec. Bleu, jaune, vert, rouge, chocolat, on ne sait plus rien du tout mélanger. Ça donne droit à beaucoup de choses. Ouais. Alors, Saloon et Nature, c'est quoi la genèse? Comment êtes-vous arrivé là? Bah, Saloon et Nature, déjà, c'est parti du simple fait que je suis une passionnée du bien-être. Donc, j'ai eu à faire une formation en réflexologie. Et avec mes petites expériences que j'ai eues à l'extérieur, dans les spas et autres, j'ai voulu adapter à ce que nous faisons localement au Bénin. Donc, c'est parti de là. Et j'ai ouvert un petit studio du côté du centre-ville. Donc les gens venaient pour des soins nature, visage bio, pour déstresser du visage. Voilà, ils venaient pour, ils avaient des problèmes, des lourdeurs aux pieds, des petites tensions aux pieds. Donc on leur faisait des petits drainages lymphatiques, donc aux épices. Donc c'est venu de là et après certains clients qui voulaient un endroit un peu plus grand, d'accord ? J'avais pas le choix, donc j'ai dû me lancer à la recherche d'un endroit plus vaste. Et c'est de là que je suis tombée sur voilà, le nouveau centre, là où on est là maintenant. Voilà. Donc c'est un centre de soins naturels et énergétiques. Et nous faisons tout ce qui est, comment on appelle ça? On régénère, on fait de la régénération du corps et de l'activation des centres d'énergie du corps. Vous voyez, à un certain moment, que vous soyez à un certain âge, on a besoin de se régénérer. Oui. Parce que, enfin, on est fatigué, le stress, l'âge, voilà, les soucis dans la tête. Donc, nous sommes spécialisés dans ça. D'accord? Et vous redevenez, voilà, in shape. Vous le faites à base de plantes, c'est ça? Nos ingrédients sont purement naturels. Donc, il y a des plantes aromatiques, il y a des huiles. D'accord, des huiles naturelles, voilà, c'est un peu ça le process. Alors, êtes-vous satisfait aujourd'hui des Béninois? Est-ce qu'ils consomment localement? Bon, les Béninois, enfin pour le simple constat que j'ai eu à faire, il y a des gens, bon, ça, en tout cas, ils en veulent. La plupart de mes clients, ce sont des Béninois, des Africains. Je vais dire africain, d'accord? Donc, ils aiment la chose. Voilà, ils aiment le concept. On est dans le monde du consommant local et c'est vous ça. Faites usage du 100% made in Benin dans vos productions. Alors, parlez-nous un peu de ce que vous faites. Alors, quelqu'un a un souci et vient vers vous. Quels sont les genres de produits que vous utilisez pour que la personne ait gain de cause? D'accord. Bah, je prends par exemple voilà, quelqu'un qui vient, il souffre d'obésité par exemple. D'accord? Donc nous avons des programmes, un programme spécial qu'on appelle un programme spécial contre l'obésité. Donc les pertes de graisse, d'accord, du ventre, ok, et du corps. Donc sans faire le sport. Il n'a pas besoin de faire le sport. Parce que le sport, c'est juste pour la muscu. Donc, nous travaillons mentalement d'abord sur la personne. D'accord? Donc, on lui fait une remise en forme mentale, déjà, pour qu'il se retrouve. Et maintenant, on applique maintenant, en lui, il y a des cures. Donc, des cures, il y a des soupes qu'on fait, des soupes activatrices, de la ceinture du ventre plat. Donc, c'est à base d'écorce de racines. De plantes aromatiques et tout ça. Donc c'est des soupes ancestrales, d'accord, donc qui ont été héritées. Et voilà, il y a ça.
Et il y a aussi, comment on appelle ça? Il y a des solutions. Donc il aura à étudier des solutions raffermissantes pour le corps et qu'il utilise dans son bain pour raffermir son corps au fur et à mesure. Il va remarquer. Et il prend aussi ce qu'on appelle, ce sont des ça inhibe en fait les graisses dans le ventre. Ce sont des, on appelle ça des inhibiteurs, okay. Voilà, de graisses. Les toxines qui sont au niveau du ventre. Donc c'est à base d'argile verte et d'argile blanche. Donc c'est un peu ça, pour ne pas tout dire ici. Donc c'est un peu ça. Donc on puise vraiment dans les sources, dans nos sources locales, dans nos produits locaux. Voilà. Je ne sais pas si Philofa a des questions. Est-ce que c'est cher? Est-ce que votre programme, par exemple, contre l'obésité, est-ce qu'il est cher? Bon, notre... Est-ce qu'elle est à portée de tout le monde, je veux dire? Oui, il est à portée de tout le monde. Il est à portée de tout le monde. L'essentiel, c'est que... La santé n'a pas de prix. L'essentiel, c'est que, enfin, on se sente bien après. Voilà, le client vient, il est satisfait, il est léger dans son corps. Déjà, la première séance, il se sent léger. Et au fur et à mesure, il suit le traitement. Et lui-même, il constate, voilà, que les choses vont tout doucement. On va profiter de vous. Voilà. C'est-à-dire que, est-ce que vous pourrez nous filer quelques tuyaux, par exemple, pour rester en bonne santé sans venir dans votre centre, à vous? Qu'est-ce que chacun de nous peut faire chez lui pour être en bonne santé sans forcément avaler des comprimés? Déjà, bon, ce sont des petites... Est-ce que vous, par exemple, le matin au réveil, vous avez un rituel? L'habitude de prendre de l'eau? Oui, ou oui, j'ai mes... C'est sûr, j'ai mes petits... Mais dites-nous, dites-nous. D'accord. Ben, je suis beaucoup... comment on appelle ça? Je suis beaucoup... je prends ce qu'on appelle du Kinacure Infusion. C'est quoi ça? D'accord. Du Kinacure Infusion. D'accord, c'est une infusion contre les états grippaux. Et c'est fait à base de quoi? Courbatures. C'est fait à base de plantes. Les courbatures. C'est-à-dire que elle veut pas me donner les astuces. Bon, des plantes, ouais. Des épices, d'accord. Et donc ça, voilà, ça vous remet, ça vous booste, quoi. Ça active en fait votre. En fait, ce à quoi ça tend, bien évidemment, Philofa, ça nous dit prenez des feuilles de quinquilibre, ajoutez des feuilles de thym, gingembre, thym, chauffez, buvez. Ok, bon, non, c'est le Kinacure, je le bois directement. Mmh. C'est sous forme déjà préparée. D'accord, et vous le vendez chez vous en fait? Oui, okay. On l'a dans notre centre. Et quels sont les ingrédients pour la préparation de... Bah, aucun ingrédient, vous chauffez juste légèrement, vous le prenez en thé chaud. D'accord. D'accord, vous le prenez en thé chaud et vous-même vous allez voir, vous êtes bien. C'est comme des... Il y en a qui le prend comme des shoots. Voilà, c'est des shoots qu'ils prennent et puis voilà, ça les rend bien. Quel aliment vous déconseillerez au grand public, par exemple? Qu'est-ce qui... Vraiment source de problème? Oui, voilà, par exemple. Source de problème, je dirais... ne pas prendre des... tout ce qui est... De faire très attention aux huiles qu'on consomme. Il faut que l'huile soit de bonne qualité. Donc, il faut connaître la source de son huile. D'accord, parce que c'est tout ça qui crée après, vous avez des problèmes au niveau du visage, au niveau du fonctionnement de votre corps. Donc c'est un point très sensible, tout ce qui est cholestérol et tout ça. Donc priorisez nos produits locaux. Voilà. J'imagine que vous êtes dans votre centre très sollicité sur la question de libido, de booster, d'énergie dans ce sens-là. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que vous êtes très sollicité à ce sujet? Oui, y a des gens qui viennent pour ça. D'accord? C'est simple, c'est toujours. Il y a un programme pour ça. D'accord? Toujours dans le programme qu'on propose. Et après, on accompagne ça de compléments alimentaires. Donc, c'est des compléments alimentaires naturels. Donc, qui vont vous booster. Ça peut être des racines, ça peut être. Comment on appelle ça? C'est des trucs, on les appelle de la gelée royale. D'accord? Donc c'est issu de nos ruches à Alejo. D'accord? Ce sont ces petits trucs-là qu'on applique tout simplement. Et vous vous retrouvez. D'accord?
Mais mis à part la libido et l'obésité, quelles sont les autres maladies ou les autres maux sur lesquels vous travaillez dans votre institut? Pour ceux qui souffrent, qui dépendent un peu trop de la cigarette, des stupéfiants, on a un programme de détox, d'accord? De détox, donc pour leur permettre en fait de venir souvent aérer leur bronchite, d'accord? Donc c'est des traitements qu'on fait du nerf sinus à chaud. On fait ça à chaud avec des plantes bien spécifiques. Je peux vous envoyer quelqu'un de façon gratuite? En traitement? Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Je sais à qui tu penses. le coût de traitement dans votre institut, ça varie de combien à combien? Parce qu'on a dit c'est abordable, mais il faudrait quand même donner une fourchette. Une fourchette. Je dirais que ça varie. Déjà, c'est à partir de 10 000. D'accord. Vous venez à partir de 10 000. Voilà, vous pouvez avoir accès à un soin biofacial, d'accord, anti-stress et rajeunissant, d'accord. Voilà, vous êtes frais, voilà, et puis... j'ai vu que vous traitez aussi la peau. Mm-hmm. Est-ce que pour n'importe qui, une femme ou un homme qui a été, assujetti au tchatcho, comment on dit À la dépigmentation. Est-ce que vous avez un programme pour lui faire retrouver sa peau naturelle? On a un programme, que ce soit pour le visage, pour le corps. On a des programmes avec que des produits naturels, des épices. Donc, il faut qu'elle nous fait confiance, d'accord? Et puis, elle est accompagnée par notre experte en cosmétique naturelle. On a une experte en cosmétique, mais que naturelle. D'accord? Le docteur Dorego. Voilà. Moi j'aime beaucoup la bouffe et je suis tombé sur vos soupes, les soupes diététiques ancestrales. Là. Comment ça se fait? Ah oui, les soupes diététiques ancestrales, faut dire que si vous voulez vivre longtemps, d'accord, c'est ça notre but, c'est de permettre aux gens de vivre longtemps, d'accord, de prendre en charge leur propre santé eux-mêmes. D'accord. Donc ça, ce sont des soupes qui vont par exemple agir. C'est des soupes antibiotiques par exemple. C'est des soupes antivirales. D'accord. Et puis on a des soupes et qui vont aussi agir sur comment on appelle ça? La virilité. Non, pas sur la virilité. Donc, mais ça vend aussi. Hein. Vous dites? Ça vend beaucoup. Oui, ça va. Les gens en consomment. Ça se consomme comme toute soupe. Donc, vous accompagnez de riz, de foufou, de tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, c'est pour purger l'organisme, d'accord? Et enlever les toxines, d'accord? Et puis, ça travaille sur votre sommeil aussi. C'est des sommeils, vous faites des sommeils réparateurs. Puisqu'on fait des traitements pour ceux qui font l'insomnie. En clair, on n'a plus besoin de faire appel aux Occidentaux. On a tout chez nous, Philophasoglou. Localement parlant. Oui. En tout cas, il faut connaître les bonnes habitudes, les bons produits. Les bonnes adresses. Voilà, ceux qui s'y connaissent, d'accord. Et c'est bon. Et Saloun, c'est que des produits locaux. C'est pour ça, c'est Saloun et Nature. Tout à l'heure, on va laisser la promotrice. À Léonide pour les questions spéciales. Vous allez jurer de dire la vérité, rien que la vérité. C'est comme ça ici. Okay. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de réflexologie, c'est bien ça? C'est ça. Alors, c'est des questions où je vous compare à des objets, à des personnes, à des choses et tout. Donc, vous n'allez jusqu'à me donner des réponses. Okay. Alors, si vous étiez un réseau social, vous seriez quel réseau? Un réseau social. Je serai câblé au CNRS. Ça c'est pour nous flouter ça. Alors si vous étiez une langue. Si j'étais une langue, ce serait l'anglais. Pourquoi l'anglais? Parce que l'anglais, tu en as besoin aujourd'hui pour pousser tes recherches. D'accord, il y a des livres qui sont en anglais où tu peux puiser le maximum de connaissances aussi. Mmh.
en anglais et puis aussi pour voilà, élargir tes partenariats. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, voilà, les business angels, ils sont plus anglophones. Mmh. Ils investissent... ceux qui investissent le plus dans les entreprises aujourd'hui, ce sont les anglophones. Donc, il faut l'anglais pour aborder ces personnes-là, même au Nigeria, au Ghana. Si vous étiez un insecte. Un insecte, un cancer. Hein, hein? Cancer. Cancer. Oui. Alors, si vous étiez un prophète. Ça, je le saurais dire. Si vous étiez un inventeur. Un inventeur, ben je serais comment il s'appelle, monsieur l'inventeur du celui qui lutte contre la drépanocytose au Bénin. Drépanocytose. Oui. Docteur Fagla, c'est ça? Monsieur Docteur D'accord. Fagla. D'accord. Alors si vous étiez un sport. Un sport, c'est la natation. Hein. La natation. J'adore la natation. Hein. Alors là, je vais vous demander de choisir toujours entre deux choses. Oui. Viande ou poisson? Poisson. Pourquoi? Ben, poisson parce que bon, la viande, bon, souvent quand j'exagère, enfin mon ventre commence par... Votre organisme n'accepte pas trop. Ça n'accepte plus. Boisson ou eau? Eau. Tisane ou café? Tisane. Pâte de maïs ou cossédillant? Je dirais igname. Beurre de karité ou pommade? Beurre de karité. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé réellement à embrasser cette carrière-là? Ce qui m'a poussé, c'est déjà le désir de puiser déjà de nos ressources naturelles, ouais. D'accord, parce qu'ils sont illimités. Et puis aussi, j'ai remarqué que voilà, enfin, quand il y a un petit... les gens, ils préfèrent plus aller dans des trucs occidentaux, voilà, se faire des remises en forme, ouais. Et tout ça. Des saunas, nanana et tout ça. Oh voilà, nous on a aussi cette approche là, mm-hmm. Ici, mais il faut l'adapter, c'est tout. Voilà. Il faut l'adapter. Alors, à ce qu'on fait. À vous écouter, j'ai comme l'impression que vous n'avez pas trop de trucs pour les hommes. Parlant de puissance. De puissance. Au lit. Bon, les trucs pour les hommes, écoutez, ce sont des. Vous suivez le programme, le traitement, c'est tout. Mm-hmm. Voilà. Donc, il n'y a pas un traitement de façon spéciale pour être plus performant et tout? Oui, on en a. J'en avais déjà parlé. Mmh. Il y en a. Vous avez les racines. Ouais. D'accord, les racines de maca. Mmh. Vous avez Vital Force. Ouais. D'accord. Et c'est quoi son rôle? C'est toujours à base de racines de maca. Oui, mais son rôle, enfin, ça active en fait vos organes génitaux. Mmh. D'accord. Enfin, il y a ça. Et puis, enfin, pour ceux qui sentent un peu de faiblesse, c'est normal. Ouais. La faiblesse, chez un homme, c'est normal. Mm-hmm. Il faut souvent, faut vous entretenir encore. Voilà, il faut s'entraîner. Donc, nous, on vous confirme homme, en fait. Donc, si vous venez chez nous. Ceux qui ont commencé tardivement, c'est pas bon pour nous, alors. Alors, j'en ai fini avec notre invité. Un dernier mot à l'endroit de nos auditeurs. Ouais. Mm-hmm. Un dernier mot, écoutez, j'invite tous ceux qui sont passionnés de la nature, qui sont passionnés de nos ressources ici, donc qui sont passionnés, qui veulent en fait avoir de l'abondance, d'accord? De l'abondance, qui veulent se découvrir eux-mêmes, voilà, de passer dans notre centre de soins naturels et énergétiques et ils auront une meilleure version d'eux-mêmes, d'accord? Voilà. C'est qui votre artiste béninois préféré? Mon artiste, c'est... J'aime bien... Sabourin Danielo. Alors, vous avez des questions? Moi, je voulais savoir, est-ce que c'est pour bien représenter la nature et donc de révéler un côté naturel que vous avez vos propres cheveux, que vous n'avez pas d'artifice aux doigts, que vous... C'est-à-dire vous tentez de rester le plus naturel possible, c'est ça? Enfin, moi, je suis comme ça. C'est ma nature, en fait.
Donc, je pas de boucle d'oreille, pas de vernis à ongles. C'est-à-dire que. Je suis comme ça. Ouais. Je préfère me faire des aînés, des tatous. Naturel. À base d'aînés naturels. Je me sens bien comme ça, c'est tout. D'accord. Je ne réfléchis pas trop. Enfin. Je n'aime pas. De toute façon, à vous voir, vous semblez vous sentir très bien dans votre peau et on ne doute pas du vous fait avez que, naturel. On ne doute pas du fait que après son traitement, évidemment que le client devrait se sentir aussi bien que forcément. Vous. Les clients sont toujours souriants quand ils partent, quand ils finissent, ils sont souriants, énergiques et puis tu sens de l'énergie. Je passerai à vous voir pour un traitement spécial. Il y a une résurrection. Il faut. Donc, ben, on est dans le mois du Kosovo local. C'est quoi votre appel à l'endroit de tous les Béninois qui ne consomment pas encore localement? Et qu'est-ce que vous avez à dire simplement aux Béninois? Non, moi c'est pas. Ce que j'ai à lancer, c'est que je ne suis pas pour l'autarcie, d'accord? Mais c'est-à-dire qu'on ait enfin, cette appartenance-là, cet amour pour nos produits d'abord. Quand on fait nos achats, quelques tisanes. Pensez à ça, pensez à nos produits. Voilà, une tente qui fait tant, voilà, tout ça, on participe en fait à l'évolution de l'économie locale. Voilà, à l'évolution de notre économie locale africaine. Exprès, j'ai porté mon masque pour poser cette question. On est en plein Covid. Est-ce que vous avez, vous, des tisanes à votre niveau pour nous aider, pour nous décovider? Ah non, pas pour... Oui, il y a ça, ce sont les soupes antivirales, c'est ça, qui prémunissent en fait. Vous prenez ça, ça vous prémunisse. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté. Elle laisse son téléphone, c'est possible pour ceux qui voudraient vous joindre pour prendre rendez-vous. Oui, ils fonctionnent uniquement sur rendez-vous, d'accord, parce que ce sont des, enfin, nos programmes durent minimum à partir d'1h30. Mmh. Donc il faut forcément prendre un rendez-vous parce que c'est pas du petit travail. On travaille vraiment sur la personne, l'être même. Et puis appelez au 66 55 70 70. 6 voilà. 6 5 5 7 0 7 0. Oui. Facile à garder. Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres.